La Bible au quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 25 octobre, le danger des faux prophètes. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent, « Vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. » Jérémie chapitre 14, verset 13. Au cours de l'histoire de la décadence et de la chute de Juda, les faux prophètes apparaissent fréquemment. L'une des causes principales de la décadence spirituelle des Israélites fut l'incitation au mal qu'exerçaient irrésistiblement de nombreux faux prophètes corrompus, lesquels, recherchant la popularité, trompaient le peuple en leur promettant une paix tout à fait improbable. Ils induisaient les Israélites en erreur en disant que, puisqu'ils étaient le peuple de Dieu, ils étaient protégés du désastre et qu'il ne pouvait leur arriver que de bonnes choses. L'enseignement de ces faux chefs religieux était plus agréable à entendre que les messages transmis par les véritables serviteurs de Dieu. Le peuple considérait ces faux prophètes avec plus de sympathie que les porte-paroles désignés par Dieu. L'opposition des faux prophètes rendait la tâche des messagers de Dieu bien plus ardu. La confrontation entre Jérémie et le faux prophète Anania dans Jérémie 28 est un cas typique. Elle eut lieu dans la maison de Dieu, en présence des sacrificateurs, à un moment grave et incertain de l'histoire de Juda. Le prophète Jérémie avait prophétisé que la captivité durerait 70 ans. Mais voici qu'Anania prédit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les objets de la maison de l'Éternel. » Et Yekonia, fils de Yehoiakim, roi de Juda. Jérémie 28, versets 2 à 4. Mais où donc les faux prophètes puisent-ils leur audace, leur force, leur impudence pour faire des déclarations aussi positives et nettes? Le Seigneur affirme, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes. » Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Jérémie 23, verset 21. Le véritable prophète de Dieu craint de prendre cette responsabilité en devenant son messager. Et c'est craintif et tremblant qu'il accepte son appel. Mais les faux prophètes aspirent à cette fonction. Dieu ne les a pas appelés. Mais eux, abusés par Satan, s'empressent de se proclamer prophètes et messagers de Dieu. Leurs visions et instructions n'ont pas leur source au ciel. Soyons prudents. Ne croyons pas aveuglément celui qui dit « J'ai rêvé, j'ai eu une vision » ou « Le Seigneur m'a parlé ». Certains signes nous permettent d'identifier le faux prophète. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 13 et 14. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!